Et voilà, on y est. C'est là que tout doit se jouer. L'affaire de ma carrière. Le job qui doit me faire sortir la tête de l'eau et filer un peu de grain à moudre à ces vautours d'huissier qui campent sous ma fenêtre depuis un mois. Et tout ça commence dans un pavillon tranquille, dans une banlieue qui l'est tout autant. En voyant cette baraque et leur nom sur la boîte aux lettres, je repensais à elle, Mademoiselle Lenoir, à sa tenue irréprochable, à sa politesse d'un autre âge, à sa mine triste et inquiète lorsqu'elle est entrée pour la première fois dans mon bureau. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, madame ? Mademoiselle Lenoir. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, mademoiselle Lenoir ? J'ai besoin que vous m'aidiez à retrouver des amis. Des amis d'enfance, des amis de fac, ce genre de choses, non ? Non, pas du tout. Des amis proches qui ont disparu. Oui, très bien, je vous écoute, oui, bien sûr. Alors, c'est un couple et ils doivent se marier dans très peu de temps. Nous n'avons plus de nouvelles d'eux depuis plus d'une semaine. Qui, nous ? Tout le monde, famille, parents, amis, témoins. Même le DJ et le traiteur n'ont pas eu un seul coup de fil depuis plus de 10 jours. D'accord, très bien. Je suppose que vous avez contacté la police, non ? Bien sûr, mais un couple sans histoire majeure qui disparaît, même avant un événement si important, ce n'est pas assez solide pour ouvrir une enquête. Bah écoutez, très bien, mais je vais prendre en compte cette affaire. Je vous cache pas qu'elle va être difficile. Vous savez que ce sont deux personnes majeures. Une avance de 10 000 euros. Ça servira à couvrir vos frais et vous aurez la même somme une fois que vous les aurez retrouvés. Vous avez jusqu'au 1er juin. D'accord, ok. Et un carnet qui pourrait vous servir, il y a tous les numéros de téléphone et les adresses de leurs proches. Très bien, oui, ça peut être utile, oui. Mais écoutez, ce que nous pouvons faire, c'est que je vous contacte dès que j'ai des informations ou quoi que ce soit. Mmh. Vous serez la première informée. Et... D'accord. Dans les plus brefs délais, je ne peux pas faire mieux pour l'instant. Je vous remercie. Bonjour. Elle avait toute mon attention. Cette affaire était inespérée, impossible de refuser. Surtout pour un tel paquet d'oseilles. Thank you.
Alex, voilà ma première piste sérieuse. Le carnet m'envoie à quelques kilomètres de là, chez Alexandre de Miras, à Villeparisis. Monsieur ? Bonjour. Vous êtes Alexandre ? Non. Mais vous, vous êtes qui ? Hi Basile, détective. J'enquête actuellement sur la disparition de deux jeunes gens qui, sont de vraisemblance, auraient passé la soirée ici, samedi dernier. Samedi dernier ? Ah non. Non, la soirée, c'était hier soir. Vous êtes certain ? Ah bah, sûr. Pourtant, je sais de source sûre que Ophélie et Julien ont passé la nuit du samedi 12 mai, de mémoire, ici. Bah oui. Le 12 mai, c'est ce que je dis. C'est hier soir, quoi. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bordel? On peut plus cluver tranquille ici. Bah, il y a monsieur là, il dit que Ophélie et Julien, ils ont disparu. Depuis une semaine. Une semaine, c'est pas possible. Ils étaient avec nous hier soir, on a fait la fête. On est 4 jours, vous devez vous tromper. Nous sommes le 20 aujourd'hui. Dimanche 20. 20? Bon, je vois que vous émergez encore un peu. Je vous laisse ma carte. Si vous avez des informations qui vous reviennent, n'importe laquelle, n'hésitez pas à m'appeler. Je suis disponible. Avec Basile. C'est marrant, si à l'envers, ça fait... Non, Basile. C'est gentil, c'est bon, merci. On a déjà fait celle-là. Merci. Bonne nuit. Bonne nuit, messieurs, dames. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Cette fois, le carnet m'emmène à Paris, au bistrot du sommelier, boulevard Haussmann. Apparemment, Julien y a bossé jusqu'à l'année dernière, et je dois rencontrer l'un de ses anciens collègues pour essayer d'en savoir plus. Vous sauriez pas où je pourrais le trouver par hasard? La question, c'est pas si on peut le trouver, c'est pas ça le plus important, non? Moi? Écoutez-moi. Moi, si on te peut parler des vies en moi, c'est d'ailleurs Pouillon, on a fait à rencontre. Monde qui bat moi face là, à un moment difficile. En tout cas, trouvez-moi tout seul, coupons. La vie, vous connaissez la vie. La vie, c'est un butin qui raide. Et c'est bon monde et chance qui a bas fosse, qui a fait rêver. Et c'est parce que nous, bon butin même, hein, qui nous a avancé. Avancé tout doit être, pas garder derrière. Bon, à pas à faire moi, hein, parce que moi-même là, écoutez, Timon, moi-même, moi rêver. Et on a dit bon Dieu, merci, merci bon Dieu. Maman, moins bon, moins la vie. La vie, c'est un butin qui est belle. Ah, belle même. Et on a chanté. On a dansé. Zouké, vous comprenez? On a souké même. Moi, c'est l'amour. Et là, on a demandé moi, tu m'as, qui genre au café? On a répondu tout bonnement, c'est l'amour. L'amour, seul. Qui fait de moi cuite manger. Mm-hmm. Et là, dans notre soleil, moi-même, que baille force la même, force en moi, force en dit en moi. Bon, Julien, là, c'est pour ça qu'il est en congé. Quand avez-vous vu Ophélie Julien pour la dernière fois? Eh bien, je crois que c'était un petit peu avant le week-end de Pâques. Il s'avait dit à la maison. Le premier week-end de mai. Ils sont venus avec un petit bouquet de muguet, porte-bonheur, au moment le bon moment. Le samedi, c'était une journée fort chargée, l'essayage de robes, le coiffeur, l'esthéticienne et les fleurs. Thank you.
sauriez pas où je pourrais trouver Ophélie et Julien à tout hasard? Bonjour madame, avec Basile. J'enquête actuellement sur la disparition d'Ophélie et Julien et auriez-vous quelques minutes à m'accorder s'il vous plaît? Je vous en prie, entrez. Merci. S'il vous plaît, oui. Merci. Je peux fumer? Non. Quand avez-vous vu votre sœur pour la dernière fois? Il y a 3 semaines environ, chez mes parents. Chez vos parents, 3 semaines? Et vous ont-ils semblé différents de d'habitude, étranges ou... Non, comme d'habitude. Rien de spécial? Non. Et voilà, ma dernière piste qui finit dans une impasse. Aucun élément nouveau, rien. Nous continuons à bavarder quelques instants et je m'en vais. Je rentre, c'est foutu. Faut se rendre à l'évidence. Tout ça ne mène à rien et j'ai plus le moindre indice. Et ce foutu lacet qui veut pas rester en place. Putain. Oh non. Ophélie et Julien? Ouais, ils sont restés une semaine et ils sont partis à peu près 1 heure.